Bon, alors, je vais vous expliquer comment on ouvre les moules. Non, alors attends, c'est pas du tout comme ça, tu vas te blesser. Alors, puisqu'on veut mettre des moules crues sur notre plateau, je vais vous montrer comment on procède. Déjà, ça, moule ouverte, moule fermée. La première chose à comprendre pour les ouvrir, c'est comprendre où se situe le pied. En fait, il se situe à l'opposé du byssus. Le byssus, c'est cette petite barbe. Donc, le byssus est là, le pied est là. Donc, pour procéder, la première chose à faire, c'est de retirer le byssus. Et là où se trouvait le byssus, vous allez remarquer qu'il y a une toute petite forme qui va permettre de rentrer la pointe d'un couteau fin. Le but va être d'aller couper le tendon, le pied qui se trouve à l'opposé. Donc j'ai rentré ma lame et j'ai coupé le tendon. À partir de là, je laisse couler l'eau, j'ai juste à ouvrir sans aucun effort. La phase suivante, c'est de décoller le fruit, la moule, qui adhère tout autour. On longe tout autour, on recoupe le pied, on rabat sur l'autre coquille. Et on recommence pour décoller les lèvres de la moule, là aussi. Voilà, et notre moule est prête à déguster. On n'a plus qu'à la poser sur le plateau. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous le refais. On défait le byssus, on récupère la petite fente, on va couper le pied à l'opposé, on ouvre, on décolle les lèvres, on rabat. On décolle les lèvres de la seconde moitié et on pose sur notre plateau. Voilà, pas plus compliqué que ça. Maintenant, bon appétit. Vous a plu, sûrement si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bien, et bien maintenant il vous reste deux petites choses à faire. C'est un, vous inscrire sur YouTube et sur Facebook. Deux, c'est partager cette vidéo partout sur vos réseaux sociaux. À très bientôt.